Jean-Michel, comment est-ce que vous voyez l'initiative de transformation d'une grande entreprise au niveau culturel, dans les pratiques, au quotidien ? Alors chez AXA, je pense qu'on va parler quasiment non pas de transformation digitale, mais carrément de mutation digitale. Faut vraiment changer l'ADN de l'entreprise de l'intérieur au niveau de toutes les strates de décision et d'exécution, qu'elles soient opérationnelles ou stratégiques. Et donc ça se traduit par un ensemble d'initiatives très diverses, qui vont de la conduite d'un partenariat stratégique avec Facebook dans le cadre de AXA University pour former nos employés aux nouvelles pratiques, jusqu'à la mise en place d'un lab en Silicon Valley pour se rapprocher des pure players et permettre à nos dirigeants de se rendre compte aussi des nouvelles méthodes de pratique et de ce qui se passe outre-Atlantique aujourd'hui. Donc vous êtes vraiment dans une démarche d'innovation ouverte, d'open innovation, comme on dit maintenant. C'est bien ça le sujet ? Oui, tout à fait. Ça se traduit par des démarches et techniques et fonctionnelles. Déjà, d'un point de vue technique, open innovation, il y a open, et c'est vrai qu'il y a une mutation vendor locking, hein, passer en mode open source. C'est une chose importante, mais qui a des impacts sérieusement au niveau légal, au niveau organisationnel, au niveau de l'IT, mais aussi au niveau de la façon de travailler. Et justement, nous sommes en train de développer des modes de communauté de pratique en mode open source, mais une communauté de développeurs interne à l'ensemble de AXA, où on est en train de construire ensemble les logiciels et les applications de demain. Donc c'est pour nous un peu le reflet de cette open innovation, l'open source d'un point de vue vraiment produit, outil, service, et la collaboration telle qu'on la connaît dans le monde extérieur de l'open source au sein même de l'entreprise.